J'ai fait une fac de sport. Je me suis fracturé le poignet. Je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée puisque maintenant, j'ai découvert une passion pour la viticulture et mon avenir. Mon métier, il se base sur la viticulture. Je travaille chez un viticulteur vigneron. D'un côté, on a la partie viticulture où en début d'année, on va avoir tout ce qui est la taille de la vigne et ensuite, on va partir en fin septembre au niveau des vendanges. Donc ça va concerner vraiment la partie vignoble. Et ensuite, on a le côté vigneron. Là, on va élaborer des vins de distillation parce qu'on est dans la région de Cognac pour ensuite les transformer en eau de vie. Moi, dans mon métier, je vais dire que j'aime tout parce qu'on part vraiment de la vigne, de la taille, jusqu'à l'élaboration en fait, de nos vins et ensuite de nos futurs eaux de vie. Alors moi, je suis pas du tout du domaine viticole de base. Moi, ce qui m'a attiré premièrement, c'est tout simplement que je suis de la région cognacaise. Pour moi, c'est vraiment très enrichissant et très valorisant de faire partie de cette filière cognac. Pour moi, ça permet d'allier le théorique et le pratique et donc du coup d'apprendre beaucoup plus vite et mieux. Aussi, l'alternance, pour moi, me permet d'avoir un revenu et donc du coup, ça me permet d'entrevoir d'autres projets. Tout d'abord, je ne suis pas du milieu viticole. Avec l'entreprise, j'ai appris tout ce qui était pratique. J'ai tout de suite compris ce que je faisais et pourquoi je le faisais.